pour avoir du lore, là. Puis pas parce que là, c'est pas pétail à l'avant, là. Ah. Ouais, c'est sûr que ça aide pas. Ouais, mais écoute, j'ai sorti le DK pis c'était plus long, ça fait. Ils sont, c'est ça. Ils se lancent sur Battlefield avec Denis Coder contre Lusk. Denis, déjà, tu prends un avantage de 4, non, de 6 beaux pourcents. J'ai rien dit, 4 beaux pourcents maintenant. J'ai calé. Ok, on essaie de faire le wave dash en avant. Intéressant. Normalement, quand un chi veut faire un wave dash après un grab, c'est en arrière, mais. Ce que la chic de Denis Coder est legit. Ouais, c'est ça, sa chic est actually legit pour un gars de voir lui de la pick-up. Pas pire. Pour être un bon secondary, honnêtement. Là. Mais ce match-up là, c'est absolument dégueulasse, là, mon chic. Je veux dire. Ouais, j'avoue, c'est quand même fuck. Ça peut être Falco, là, je veux dire. Mais que Falco est pas tout ça. Ok, on y va pour un smash attack. Et un up smash de la part de Lost. Lost s'en fout du pourcentage là. Lui il est à 136 mais il joue comme si c'était à 16 genre. C'est la tronche dans le tas, ça a payé. Ah ouais. Non, c'est trop pour convertir avec un fair. Même un down tilt, je pense pas que ça aurait fonctionné. Faut qu'on essaie de convertir. Alright, le fair pour convertir. À 27% par contre, on commence déjà sur un léger désavantage pour le prochain stock, mais c'est correct. Je veux dire, ça se reprend assez bien. Là si on prend un OK, on essaie de faire un raid, mais non. Lost qui est resté sur place. Gros mix-up. Shine Frame 1 a peut-être fait. Ah, c'est dégueulasse. Est-ce que c'est peut-être Shine Frame 1? Non. Luigi Nair. Ah, ouais. Quoi? Whoa, hold the phone! What happened there? Fais-y, ok, on catch ça. Un autre FTL. Oh, ouh! Les deux en haut, en bas. Il était tellement pas prêt à ça. Le gars, il a Dunk Fox dans un basket. Genre, c'est. Denis, il joue au basketball là. Ok, on évite de justesse le down tilt de là. C'est quand même assez peu. Pas peu. Oh, pas un shield! Damn. Oh! Hey, il y a des millimètres près ce smash là. Nice. Chain grab. Oh my god, il va aller. Ouais, exactement. Il va tourner à gauche. Ah non, ok. Hey, Denis! Wow! Hey, Denis a sorti le dictionnaire pour ce play là. C'est là qu'il a pas pu convertir par contre, mais. Ok, ça va. Hey, aujourd'hui, dans la lecture, aujourd'hui, c'est Denis sur le chain rap de Lusk. Chapitre 1. Mais. Bon pion pour Lusk, il y a quand même. Denis est à 127, puis là t'as de son deuxième stock là qu'il reste à moitié. Fait que. Une différence d'un stock pour Fox c'est rien, surtout contre Chief. Pour Fox, c'est pas de grab. Et voilà. Non, le Denis il vient de mettre un statement, pourquoi faut pas te faire grab. Alright, le aerial game de Lusk, je dis mettant Chic à 71. On essaye un grab, l'autre c'est un dash attack. Intéressant. Throw. On garde le ledge, mais ouais, belle patience par contre de là, si vous voulez pas trop risquer trop de frame à aller sur le ledge. Je pense que c'est une bonne idée, je pense que ça. Ouais, mais honnêtement. Ouh, mon dieu! Hey, il a passé à travers les kills, le gars là. Jesus Christ! La shit de tout le gars! Hey, je t'ai dit! Ok, là, ce match est là, il est bon. Pis là, si t'es à 80, sur Battlefield, c'est encore possible. Tu sais, il faudrait genre. L'inquiétude serait genre à 120, mettons là. Hey mon dieu! Hey le frame 1! Yep. On a notre junior 17 avec le frame 1 shine, mais Denis fait du volleyball. Fait que c'est correct. C'est correct pour Denis. Denis mène 1 à 0. Slap. Et voilà. Un petit beau spike sur le sol là. Pow! On va sur. Ouais. Ah, je sais pas en fait. Je pense pas que c'est un bon move de. Ah non, c'est un bon move. C'est l'enchaîne entre les deux. Oui, oui, non, c'est un excellent move de Lusk. Parce que ça va permettre au smash de tuer petit. On check là-dessus. Oh, le fake? Non, mais je peux dire, genre, il était sur la plateforme puis il allait sur la. Ouais, ouais, je peux faire ça. Et voilà, est-ce que le gamble va fonctionner? Pas encore. On est proche quand même. Et le deuxième, et voilà. Donc déjà, la décision d'aller sur Yoshi's va porter beaucoup plus fruit à Lusk que la Game 1, là, avec Battlefield.
C'est vraiment juste un ceiling plus bas que là s'il avait besoin pour cette game là. Oh non! Un autre up smash, assez greedy par contre là, sur l'up smash. Iiii! Belle patience de se tasser un peu. Belle histoire de se tasser un peu. Oh nice! C'est trade. C'est un bon trade. Denis quand même qui est en plein milieu d'une transformation. Je tiens à dire que Lost a sauvé la transformation de Denis. Hein. Ah ouais. Je sais pas si tu l'avais spoté là. Ouais ouais, il a pas eu de transformation. Un petit back air. Fait un petit stance, parfait, super. Lost mettant un avantage de un stock. Ok, ok. Ouais, c'est pas tant pis, c'est pas tant pis pour Lost, il se reprend bien. Ah ouais, il a pogné à travers le shadow. Juste un raw grab. Denis, man, raw grab. Il s'en fout du reste. S'il peut le prendre, il va le prendre. Hein! Est-ce que t'as vu passer le duo d'un hidden comeback mécanique qui existe? C'est quoi? Quand un bonhomme a moins de stock, mettons que she grab un fuck, que le fuck a moins de stock, ça va prendre moins de temps à machin. Hein? C'est à Sumsar, je pense, qui a passé ça. C'est-tu à Sumsar qui a mis ça pour le vrai? Ouais. Oh shit, hey, c'est. Mais c'est. Genre, ça a toujours été connu, là? Je suis pas sûr, moi, en tout cas, c'est la première fois que j'entendais ça. Oh my god, fait qu'il y a vraiment un hidden comeback mécanique dans Melee pour Fox seulement. Ben, c'est pas. Ben, en fait, genre les grabs, par rapport aux grabs. Mais c'est juste Fox related ou c'est genre, il y a plusieurs. Non, c'est genre, souvent, tous les bonhommes, peu importe quand le bonhomme. Ok, c'est tout, ok, c'est tout le monde. Ouais, je sais que j'ai dit ça, là, ben, genre, j'ai mis en contexte, mais c'est genre tout le monde. Ok, ça, c'est en train de me dire que c'était Fox, je suis comme, ouais, moi, là, non, là, Sakurai, s'il vous plaît, là. Sortez-moi la patch maintenant. Là. Revenons un peu à la partie. On est 86-58. Là, c'est encore dans un avantage confortable. Si tu fais pas trop grab, down tilt, on peut pas vraiment convertir là-dessus. C'est quand même une belle patience à la Monolosque. Oh, sur le tip toe du dash attack. Reverse smash devant les balles. Up air, up! Ouais, je pense qu'il a pas fait de vrai. Ouais, mais il a pogné. Non, le weird Randall thing. Il a pogné le sour du upper, fait que c'est pour ça que tu as tué. Et le pied. Denis a mis le pied par terre et prend l'avantage. Tort dans le pourcentage. Hey boy. Hey boy. C'est Shy Guy ça. Hey! On fait de la jonglerie. On rebondit sur Denis Coderre pour donner son siège et prendre un autre stock. Maintenant c'est 0-14. Pas tant pire. Ok, ouais, là, se réveille, là. Là, je pense qu'on va voir une close. Bonne close, 50% de la part de oh, ok, up smash. Un autre grab, back air. Prends l'edge, on patiente un peu. F4 smash qui va clore cette deuxième game. C'était quand même pas un mix-up, mais c'était pas un mix-up nécessaire. Je pense que le smash aurait tiré. Ouais. Mais oui, c'était un genre, c'était plus sec que dash of smash. Ah, c'est sûr. L'affaire, c'est que j'aurais cru que Yoshi ça aurait été plus facile pour Lost. Mais Denis quand même il met une bonne fête. À voir pour le restant du set comment ça évolue, parce que si sur Yoshi on n'est pas capable d'avoir un plus grand avantage qu'on le pense, comment est-ce que ça va genre s'évoluer au restant du set? C'est ça que je vais me demander maintenant dans les mangas. Ça smash ici, on se positionne un peu, on patiente. Et revirement de situation sur possiblement un miss input. Je pense qu'on a un peu overshot sa dash là. Ouais, c'est pas si mal. Leur temps, petit dash attack, tranquillement, wave shine, petit back air, on patiente encore au ledge. On n'est pas capable de le grab par contre. Oh, le punish, le grab à la dernière seconde, mais le shield, frame perfect shield pour éviter le smash. Belle réaction de lui. Oh non. Ok, là on passe. Que Denis punish avec des grabs avant pour éviter juste le shine. Ouais. Mais. Encore une fois, comme il a dit, c'est son nouveau G qu'il a fait. Hey boy! Sakurai, side B of Smash. Please, Sakurai, please. Patch the game 23 years later, s'il vous plaît. Oh, il attendait quelque chose. Et on a manqué son wave shine. Un autre grab. Oh my god, le dance smash aurait été good aussi. Le dance Dans ce match, je pense qu'il y avait la range pour le cover.
Si je me rappelle, Flies me disait genre. Quand tu joues contre Fox Falco là, pis you recover au ledge. T'as juste une chose à faire, c'est dans Smash. Ok, volleyball, ok. Boom. Fait que Denis reprend son lead à 64% sur le Dreamlast X. Coincidence? I think not. Combo poo. Okido. Hop. Une tape. Un bitch slap singulier. Oh, deux smash attack. Le deuxième à land, ça permet à égaliser le score un peu pour la season. Fait qu'on est vraiment dans un parfait tiebreaker en ce moment. Ah, il y a grave temps de smash, il va faire une bonne. Oh! Nice! Je pense que honnêtement, Denis. Nice. Oh my god, le chain grab! Denis joue plus Scorpion que Sheik en ce moment, là. J'entends au loin, get over here! À chaque fois qu'il le fait, là, sérieux, là. Oh, c'est incroyable. Oh non! Hey! Il l'a laissé revenir! Il aurait pu pogner l'edge là-dessus, je pense, hein? Ouais, je sais pas si on remarqué qu'il y avait pas de jump, mais il y avait pas de jump. Ah. Oh! Instant reflection de shields, mon dieu! Ces gars-là ont des godlike reactions. Les deux jouent offstage. Ouais, c'est quand ça joue dangereux, là. Parce que offstage, Fox, il fait mal, là. Yes. À quelques centimètres de haut. Et un up smash, ça tue pas par contre. Ah si! Son DI l'a peut-être pas aidé. Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est normalement sur un DI normal. T'sais, le gars il a décéléré même avant de tout bulle là. Fait. Il aurait pu survivre. Ah, oh, man, la pression de LOSC! Qui mène avec un 2 stock. Ok, puis un petit hochement de sa tête. Ce gars-là, il se file là. Ce gars-là, il se file. Alright. Si on a un LOSC comeback. A voir. On change de stage. Ouais. Hey, on essaye. Lost, man. T'es wave shine, bro. Je te compte, je te feel. Là. Quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais écoute, respect to the commitment. Quand on essaye, on essaye. À un moment donné, ça va l'end. À un moment donné, ça va l'end. Respect the commitment. A throw. Eee. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a pas abandonné sur le poke avec son œil. Il a continué à extend son combo. Ça n'a pas pu convertir en kill par contre à la fin, mais là oui. Là on a un nouveau Lusk là. Lusk version du. Y'a-tu bait? Je sais pas, ça a été drôle qu'il fasse juste courir. Ouais, ben oui et non là, parce que je dirais après c'était fort monumental pour commencer la game 4 là. J'aurais été un peu plus drôle. Oh man, le quelques millimètres d'éviter le smash. Ah, pauvre lui. Mais quand même, Denis, là, il lâche pas le morceau, là. Lui, il veut vraiment son grab. Et ça commence à lui exploser un peu dans la face, là. Lost, qui est plus greedy que les Smash, mais avec raison. Parce que là, Denis, il essaie d'être close and personal, là. Il est beaucoup plus à défense. Beau up air pour sortir de la situation. Pas assez pour kill. Et un autre up smash, ça ne tue pas. Oui, vraiment. Volleyball. Ah, c'est grave, ouais, mais au moins c'est une bonne façon de Lost de retourner parce que tu sais, il n'y a plus de Denis en train de charger, il dit pourquoi pas. On va avoir une option. Pipi ben quoi, tu sais, là. Oh, le Holy Pipe là-dessus. Ok, le back air de Lost à 159% et. Je l'ai mentionné, maintenant c'est fini. Je m'en excuse, Lost. Hey, le shine, là. Encore une fois, beau up throw. Beau up air. Shine encore. Up smash, il va catch le pouf. Arms attack. Denis, quand même à quasiment 7 stocks, là, ça continue même. Là, c'est confortable, là. 51%, 3 stocks. Qualifying game. Ouais. Là, c'est vraiment c'est étonnant. Ben, c'est depuis, honnêtement, avec la game de Yoshi, je m'attendais pas à ce momentum-là. Un gros revirement de la station de Lost. Beaucoup de chaîne, par contre, mais je pense qu'il a trouvé le counterplay, là. C'est. Oh! C'est pas assez pour tuer. Peut-être une seconde de
quelques frames de plus pour charger, ça aurait été primordial pour le kill. Mais même là. Ok, gros shield sur le down air. On essaie de punir le side B, on n'a pas le timing. On manque le jab reset. Oh. Et le shield du dash attack, c'est. Ça ne tue pas encore. Fair, on. Ah, le punish sur ce up smash là. Ouais. Petit poke de down tilt. Excellent move. Wave shine, back air. Is this it? Pas toujours. Pas encore, on a manqué l'edge grab. Sour back air. Ça aurait été bon par contre pour le tasser un peu vers sur la zone. Hey, on a essayé le poke sur le shield avec le smash et puis passé. Ça va pas dans ça dessus. Alright, bon ben. Maintenant sur le stream? On y va.